Le Vendée-Luçon Football est en national et la fête fut très belle samedi soir au stade Jean de Mouzon, entre euphorie, émotion, joie et parfois gravité. Plus de 2500 personnes étaient présentes au stade pour le dernier match de la saison en CFA, mais surtout pour remercier cette équipe qui aura fait vibrer tout au long de l'année les amoureux de football et même les plus dubitatifs se seront laissés prendre au jeu. La soirée a donc commencé avec la présentation des équipes du club, histoire d'associer tout le monde à la fête et de rappeler que le VLF, ce n'est pas simplement une équipe fagnon. Puis il y aura eu le match contre Bordeaux, perdu 3-2, mais il y aura eu surtout les applaudissements du public pour ces joueurs qui, un à un, ont reçu des médailles avant de recevoir enfin le Graal, la Coupe des Champions, celle qui leur permet d'accéder en national. Bref, une sacrée soirée. Exactement, champion. Et malgré une défaite, on est content de faire la fête avec nos supporters. Et c'est super, il y a une ambiance de feu. 2000 supporters ce soir à Domuzon, c'est extraordinaire. Ouais, non, le stade, la pelouse peinte en rouge et blanc, les gens tous en rouge et blanc, non, c'est magnifique. Avec des petits mots d'amour pour les joueurs, oh, c'est génial. Bah écoutez, c'est ma première montée, donc voilà, c'était le dernier match à domicile. On a bien profité, même malgré la défaite. Voilà, vous voyez tout le public, tout le monde est venu nous supporter, la fête est belle, on a reçu une médaille. Il y a un feu d'artifice qui va se préparer dans pas longtemps. Donc voilà, la fête est belle, profitons simplement. On en a profité toute la semaine, on est resté franchement limite H24 ensemble justement parce qu'on avait cette chance de pouvoir conclure ce championnat à Pontivy. Ce qu'on a fait, donc après ça nous a permis de vraiment décompresser et d'organiser plein d'activités entre nous et pour vraiment profiter de cet événement. C'est pas facile à faire et on l'a fait, donc on en profite ce soir. Comment l'ambiance dans le groupe, ça fait partie des choses qui ont permis cette montée? C'est surtout ça, c'est l'état d'esprit. On s'entend vraiment très très bien entre nous. Et après, ben, ça se voit sur le terrain, même si des fois il y a des petites engueulades, mais on se remet tout de suite dans le bain, dès le lendemain, on est tous ensemble et la joie, elle se voit sur le terrain avec nos supporters et les partenaires. Voilà. Plus discret mais tout aussi heureux, le coach du VLF, Frédéric Reculot. Ouais, c'est super agréable dans ce stade qui est magnifique de voir autant de monde. Et c'est vrai que même si le contexte n'est pas le top pour pouvoir se surpasser, c'est vrai que bon, quand on rentre sur le stade et qu'on voit que le stade est bien garni, bon, ça donne envie de jouer au foot, quoi. On l'a encore ressenti ce soir. Voilà, il y a des vraies amitiés dans cette équipe. Ouais, mais ça sert à ça le sport, hein. Ça crée des amitiés. Mais c'est vrai que cette saison, il y a plus de mérite à réussir cette saison que les 105 points l'année dernière parce que bon, fallait repartir, fallait être capable de rebondir. Et c'est une grosse fierté que d'y avoir arrivé avec le groupe qui existe actuellement. Le staff, on bosse dur, les joueurs ont eu beaucoup de mérite cette année parce qu'on a connu des choses difficiles et c'est vrai que cette année est très, très valorisante vis-à-vis de ça, quoi. Et si la soirée aura été forte en émotion pour tout le monde, elle l'a été plus particulièrement pour Damien Leclerc. Le portier luçonnais, on le sait, a annoncé qu'il quittait le club, alors forcément sa sortie en fin de match aura donné lieu à quelques larmes. C'est vrai que pour moi, quand tu passes 7 ans dans un club comme Luçon, et que tu passes tellement de bons moments, c'est vrai que la sortie fut vraiment très difficile. T'as le droit, Damien, vas-y, tu peux. Merci. T'es beau même quand tu te désaltères. Faut voir là-dedans. Et puis c'est vrai que tu penses à tous ces moments que t'as passés et l'émotion est difficile. Et quand tu vois un tel engouement du public et une telle sortie, c'est vrai que tu peux que avoir chaud au cœur. C'est la meilleure façon de sortir. Parce que oui, c'est sûr que c'est une belle sortie. C'est quand je suis arrivé ici il y a 7 ans, on était en CFA 2, là maintenant on est en National. Mais au-delà de la sortie, c'est que c'est surtout j'ai rencontré des gens exceptionnels, que ce soit les joueurs, Stéphane Massala, le coach bien sûr, le coach des gardiens, le président. Je veux dire, au-delà du sportif, j'ai surtout découvert des personnes super et des amis. Tu viendrais voir Luçon jouer en National forcément? Ah oui, j'irai souvent les voir, j'ai énormément d'amis ici. Et je garderai contact avec eux et je reviendrai avec plaisir à Domuzon.
Damien, ça reste un des piliers sur lesquels je m'appuyais, hein, sur lesquels on s'appuyait. Donc forcément qu'un départ comme le sien, ça reste tout simplement émouvant. Et c'est vrai que on avait hâte d'y participer, puis en même temps, mais quand c'est arrivé, ben, on s'est senti tout con parce que les larmes sont venues toutes seules. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, mais c'est vrai que bon, ça, voilà, c'est une des personnages et un des garçons avec qui je vais garder beaucoup de relations. Parce que le foot permet ça, quoi. Et puis si cette soirée a permis de rendre hommage aux joueurs pour leur belle épopée, elle a permis également de saluer les fidèles parmi les fidèles, les supporters du Cop Lucenais. Eux aussi ont partagé avec joie et émotion cette grande fête. Il est vrai que l'année dernière, on avait versé une petite larme à Saumur. Cette année, on est vraiment très très heureux, encore plus heureux peut-être du fait de cette déception de l'année dernière. Et on apprécie, on a goûté toute la semaine avec les joueurs, on a fait la fête samedi, on a été invité à un barbecue mercredi avec eux et on profite pleinement de cette montée. Et c'est vraiment des joueurs extraordinaires. Je voulais aussi féliciter Daniel Leclerc qui est vraiment quelqu'un de vraiment super, aussi bien au niveau football que humain. C'est fabuleux, on les remercie beaucoup. On a été là pour eux toute l'année, c'est vraiment fantastique et on espère faire une belle fête avec eux. Vous serez là l'année prochaine, forcément ? Oh oui, sans souci. Les déplacements seront plus loin, mais on essaiera d'en faire un maximum. L'année prochaine, il en a été question, bien évidemment, mais nous y reviendrons. En tout cas, le VLF vient d'écrire une des plus belles pages de son histoire. Une histoire désormais gravée dans le marbre et le temps d'un feu d'artifice dans le ciel lucenais.